Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose ma revue du dernier bébé de chez DJI, le Mavic Mini. Quelle est la recette utilisée pour concevoir ce nouveau modèle? Vous prenez la radiocommande du Spark, le look du Mavic Pro, les hélices et la légèreté de la Nafi, plus ou moins la caméra du Mavic Air. Vous remuez tout ça jusqu'à obtenir un appareil qui pèse moins de 250 grammes et vous avez le Mavic Mini. Quelles sont les promesses de DJI pour ce nouveau multi-rotor destiné à la prise de vue aérienne? C'est de nous proposer un produit très compact, ultra léger avec moins de 250 grammes, avec un budget très réduit. Et on va voir si malgré toutes ces contraintes, le Mavic Mini est au niveau de ses grands frères en termes de qualité de fabrication et de prise de vue. En 2018, nous avons eu une avalanche de nouveautés avec le Mavic Air, la Nafi, le Mavic 2 et à vrai dire en 2019, jusque là c'était un petit peu pauvre en réelle nouveauté jusqu'à la sortie de ce nouveau Mavic Mini. Quelle est la recette du DJI Mavic Mini? Simplifier et supprimer des fonctions pour créer un nouveau produit plus accessible, c'est aussi une forme d'innovation. Par rapport au dernier Mavic, vous supprimez l'ultra haute définition, les capteurs anti-collision, les photos en RAW, le stockage interne, USB-C et quasiment tous les modes de vol automatiques. Côté application, c'est la même démarche. DJI Go 4 a été carrément refondu en DJI Fly, une application moins riche en fonctions avec une ergonomie différente. Excepté le format et la masse, on a presque l'impression de retrouver les prestations des drones qu'on connaissait en 2015. Et toutes ces fonctions en moins permettent de justifier un prix de vente bien inférieur. DJI a réalisé des progrès remarquables sur la miniaturisation, la masse, le faible niveau de bruit par rapport au modèle précédent. Alors le Mavic Mini est vendu en deux versions, la version de base à 399 € et le Fly More Combo à 100 € de plus qui se justifie avec les batteries supplémentaires et le hub chargeur plus d'autres accessoires. Attention, s'il s'agit d'un cadeau, pensez bien à acheter la carte SD supplémentaire pour éviter les déceptions car elle n'est pas fournie. La conception du DJI Mavic Mini, tout d'abord la finition, elle est plutôt bonne et DJI a réussi à donner un aspect sérieux malgré l'extrême légèreté des matériaux. Ensuite, on a une vraie nacelle stabilisée sur trois axes mécaniquement
avec une plage sur le pitch qui peut être étendue de moins 90 degrés vers le bas à plus 20 degrés vers le haut. La communication entre l'émetteur et le drone est un dérivé de protocole Wi-Fi qui est plutôt robuste et qui permet de voler à quelques centaines de mètres de soi sans problème, mais elle est assez sensible à un autre émetteur qui serait juste à proximité. Dans ce cas, on peut observer de légères déconnexions. Sur le DJI Mavic Mini, pas d'anti-collision, excepté ce capteur de proximité et de positionnement qui assure un très bon maintien lorsque l'appareil est près du sol. Le niveau de bruit est très faible par rapport au Spark et au Mavic Air. Il est quasiment au niveau de la Nafi. Et ça, c'est vraiment appréciable, surtout pour ceux qui utilisent leur appareil en randonnée et qui n'ont pas envie de déranger leur entourage. Concernant la batterie, c'est une 2S qui assure une autonomie vérifiée à 26 minutes en stationnaire. Notez bien que l'autonomie sera un petit peu meilleure si le modèle est en légère translation par rapport à l'air, car dans ce cas, l'effet vortex est atténué et ça dégrade moins le rendement. Enfin, du point de vue aérodynamique, l'appareil est bien conçu, certainement un petit peu mieux que le Spark et le Mavic Air, puisque j'obtiens un rendement théorique de 0,36. Donc c'est pas au niveau de la Nafi qui doit encore avoir des hélices un petit peu mieux conçues que le DJI Mavic Mini. Maintenant, intéressons-nous à la caméra et en particulier à son capteur. Les spécifications de celui-ci sont en grande partie communes avec celles du Mavic Air et du Mavic 2 Zoom. Définition de 12 mégapixels, ouverture à f2.8, un champ de vision de 83 degrés sur la diagonale. Bien entendu, ça ce sont les specs sur le papier, ça ne tient pas compte de la qualité de l'optique qui peut être différente et avoir une influence forte sur la qualité du résultat. La définition des photos du DJI Mavic Mini est de 4000 par 3000 pixels. Elles sont uniquement disponibles en JPEG avec un taux de compression qui n'a pas été trop poussé puisqu'on a quand même des photos qui pèsent autour de 5 mégas. Concernant la vidéo, elle est limitée à 2,7K. C'est une définition un petit peu bâtarde entre le Full HD et l'Ultra HD. L'image est obtenue par un léger crop de 3% sur la largeur du capteur, auquel on ajoute un rééchantillonnage de l'image pour arriver à 2720 pixels. Le coût en termes de charge processeur de ce rééchantillonnage aurait peut-être pu permettre d'encoder de la 4K. Ceci dit, il n'est pas certain que la performance de l'optique soit suffisante pour générer de la 4K de qualité. Concernant le bitrate en vidéo, il est à 40 mégabits par seconde. Alors pas d'inquiétude sur cette valeur, elle est tout à fait cohérente avec la définition 2,7K puisque en 2,7K, on a exactement deux fois moins de pixels qu'une image en ultra haute définition. Donc en théorie, on serait même meilleur que le Mavic Pro première génération. Donc pas d'inquiétude sur le bitrate. Au sujet de la qualité proprement dite de la vidéo, avec un capteur aussi petit et une telle optique, on ne va pas s'attendre à des miracles. Si c'est votre premier drone multirotor de prise de vue aérienne, vous serez globalement satisfait des photos et des vidéos. Si vous venez d'un Mavic 2 Pro, alors là, la différence, elle se fait nettement sentir en termes de qualité. Venant d'un Spark, là vous gagnez la définition en plus, donc là vous avez un réel progrès. Et si vous avez déjà vu le Mavic Air, là il y a très peu de différence à la définition près. Si je compare à la Nafi, le Mavic Mini n'est pas du tout ridicule, les vidéos se valent. Les photos en JPEG de la Nafi sont pénalisées par une compression excessive, mais celui-ci est avantagé par le format RAW qui est disponible. Alors c'est pas une surprise, en basse lumière le bruit est bien présent, la plage dynamique est assez limitée si on prend des prises de vue à contre-jour. Donc globalement on a une performance en prise de vue aérienne qui est adaptée à de la visualisation sur un smartphone. Les couleurs et les contrastes sont renforcés, ça compense les limitations du capteur, mais ça produit une image un peu saturée qui manque de naturel. Rien de surprenant avec une telle caméra, mais c'est dommage qu'on puisse pas en tirer un petit peu plus comme les smartphones récents qui arrivent à faire de très belles images
avec un capteur similaire. Enfin, une limitation à avoir en tête sur le DJI Mavic Mini, c'est que le seul réglage possible en prise de vue, c'est l'exposition. Et ça, c'est assez contraignant pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur réglage. On a un appareil qui offre de bonnes prestations en vol. La stabilité est correcte, le maintien de position près du sol est performant. On a une maniabilité qui est agréable et on sent très peu l'extrême légèreté de l'appareil. L'autonomie est le point fort du DJI Mavic Mini. Elle est bien meilleure que le Spark et que le Mavic Air. On atteint facilement 25 minutes en vol. Attention, si vous volez dans une légère brume, les capteurs inférieurs sont assez sensibles aux gouttelettes d'eau en suspension et vous pouvez avoir des difficultés à amorcer la descente du Mavic Mini. Il supporte facilement des vents allant jusqu'à 20-25 km à l'heure. Je vous recommande après de ne pas aller au-delà pour ne pas prendre de risques. J'arrive au chapitre des conclusions. Tout d'abord, le DJI Mavic Mini est un achat sans risque pour s'initier à la prise de vue aérienne. Ensuite, ses points forts sont l'autonomie et le faible bruit par rapport au Spark et au Mavic Air. En photo et en vidéo, la qualité globale est juste correcte. Les possibilités de réglage sont quasi nulles et vous devrez accepter le résultat tel quel. Rappelez-vous, il y a à peine 4 ans, un drone multirotor avec un capteur 12 mégapixels qui vous sortait de la 2,7K, c'était le Phantom 3 Advance. Maintenant, je pense aussi que ce Mavic Mini est une prouesse commerciale puisque DJI a bien compris que le marché du drone multirotor avait cessé d'évoluer. Donc, pour maintenir son chiffre d'affaires, il fallait toucher le plus grand nombre. Donc de proposer un appareil facile à piloter, pas trop cher, utilisable dans de nombreuses conditions. Et au passage, ça permet à DJI de lutter contre la concurrence qui commence à proposer des solutions similaires. J'espère que cette revue du DJI Mavic Mini vous a plu, qu'elle vous permettra de faire votre propre avis sur cet appareil. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.